Bonsoir à tous, nous revoici dans Pandora's Tower sur la Wii. Alors, petit changement de programme pour les prochains épisodes et celui-ci, entre autres. YouTube ayant je ne sais quoi à ma dernière vidéo, apparemment elle était trop longue et trop grosse, eh bien elle a allègrement refusé de la foutre en 480p et il n'y a même pas le temps qui est indiqué dessus. Il met 0 minute, 0 seconde. Donc, ce que je vais faire dans le let's play dorénavant, c'est foutre des épisodes de 40 minutes et comme ça, tout le monde sera content. Bon, on commence. On va aller dans la tour de. Je vais pas dire de métal, mais un peu méca. L'espèce de clone de la tour Aurifère que je venais de finir dans ma première partie. En gros, ça va être une tour où il va y avoir plein de mécanismes à enclencher, des plateformes à tirer pour se créer des. Bah, pour pouvoir sauter dessus. Et. Ouh, nocturne, pour une fois. On va être en train de dormir, on va nous voir en train de dormir. Et on voit encore une fois cette magnifique ombre pixelisée. Comment il aurait pu s'en souvenir de ça? La vidéo aussi est pixelisée. Mais t'es bête ou quoi? T'as mangé de la chair de maître il y a à peine 2-3 heures. Oh. Non, je vais très bien. Merci de t'inquiéter. Ouh, il a vu quelque chose, mais moi je n'ai rien vu. C'est chiant. Et vous n'avez rien vu non plus. Bon, allons lui parler un tout petit peu. Peut-être qu'elle va nous dire ce qui s'est passé. Eh bien, c'est dommage, elle ne nous dira rien. Bah, non, non, la guerre est finie là maintenant. His parents make sure he never stops smiling. It's strange. A lovely family like that surely has nothing to do with the masters. On ne sait jamais. If there's anything you want to know about the towers, why not try asking Mavda? Ouais, c'est vrai, je devrais tenter de te poser des questions ou même de demander aux monstres ce qu'il y a dans les tours. Je ne sais pas. Mais de toute façon, j'ai pas envie de poser des questions à cette petite peste. Bon, je ne vais pas faire de commentaires vu que là c'est plutôt l'amour et là-bas c'est pas l'amour politique, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on a à offrir? Les ongles en maison, elle nous l'a offert. La pierre de garde, on pourrait l'offrir, mais ça servirait à rien. La roche des. On va lui donner quelque chose d'explosif. Oh, si tu tiens te suicider un jour. La roche de cristal. Peut-être qu'elle va dire. Ah, Burke. Oh non, encore une fois. Avec plein d'assurance. Non, sérieusement, à quoi ça pourrait te servir d'avoir une roche de cristal? Voilà. L'onyx de phénix. Elle trouvera ça joli, mais je pense que ce sera tout. Chère palpitante. Vaut mieux pas que. Bon, va falloir que je la vende. Normalement, vaut mieux pas. Mais vu qu'elle va sécher dans la tour. Attendez, il y a quoi dans le coffre? Non, il n'y a rien d'intéressant. À part peut-être la boue collante, hein. Ça avait marché l'autre fois. Au fait, on m'avait demandé si je pouvais utiliser une autre ceinture de cuir pour augmenter la capacité de mon sac. D'après mes souvenirs, non, je ne pourrais pas. Mais rien ne. Bah. Moi, je veux bien essayer, au pire. Je veux bien réessayer. Alors. Je vais quand même me reposer encore une petite heure. Pourquoi? Car elle va nous faire à bouffer! Hé hé! Donne-moi à bouffer! Depuis le temps que je tiens à manger. Depuis cette fois. Enfin, c'est clair que là, elle doit me remercier. Bon,
Sauf que là, elle nous a rien donné. Normalement, vous devriez manger pile au moment où vous lui parlez. Mais ça arrive une fois tous les 36 du mois. Je crois qu'il faut la voir le matin, puis l'après-midi, puis le soir. Puis on recommence. C'est moi ou elle a pas bougé les lèvres là? Et si tu nous faisais ces putains de gâteaux? Je veux dire, je lui ai donné au moins 3 ou 4 baies et elle n'en a rien fait avec. Je crois que c'est parce que je lui ai donné les gâteaux, enfin que je lui ai montré les gâteaux. Du coup, ça a enclenché un bug ou alors elle n'a plus envie d'en faire puisqu'elle croit que c'est dégueulasse. Et on verra les déesses dans les prochains tours. Bon. Ben non, je vais rien pouvoir lui offrir. On va avoir Mavda, on va attendre midi, puis on va attendre 18h ou 19h et pour voir si on peut manger, et ensuite on cassos. Si vous appuyez sur oui, bon bah elle rachète tout, et si vous appuyez sur non, elle rachète de rien. Donc en gros, vaut mieux tout racheter. 206. 10. Bon, je passe, 1200, et on va pouvoir acheter la ceinture en cuir. Sa ceinture de cuir, pardon. Non, absolument rien d'intéressant. Rien à vendre, rien à améliorer. Je pourrais très bien améliorer les doubles lames, même si là je peux pas. Mais de toute façon, ça servira à rien puisque je n'utiliserai plus jamais cette arme. Oh purée! Oui, ça s'est bien passé, mais le problème c'est que ça a pris beaucoup d'argent. Bon, 250, mais c'est quand même beaucoup. Créer. Attendez, je vais voir si. Tonique des caries, ça c'est intéressant, mais. Ouh, il manque une. Si je reviens dans l'autre tour, comment c'était? C'était la tour de terre. Je pourrais reprendre une peau résistante, et vu que les mercures, on en trouve à foison. Enfin, foison, entre guillemets, aussi. Le brassard, je pourrais... Mais... Pour un brassard, ça n'empêche vachement grand. Regardez combien ça prend. Ça prend 6 cases. Ça prend plus... Non, autant que notre épée. Autant. Un brassard. Bon sang. Ça absorbe les coups. Ça ne multiplie pas par deux notre sac. Le pierre peut-être venin. Ah, c'est un équipement aussi. Bon, je savais pas. Qui voudrait de l'eau des nymphes? On fait de l'eau des nymphes avec de la pétriade? Je savais pas. Je ne savais pas non plus. Alors, comment on fait ça? Sachant que j'ai besoin d'écailles solides pour faire cette putain d'arme en écailles, non. Là, c'est cette putain de bague d'or. C'est peut-être le... Ah, c'est le cuir tanné. C'est le cuir tanné qui permet d'augmenter la... Oh, il faut de la peau résistante. Bordel. Bon, bah... On sait ce qu'il faut prendre pour le prochain truc. Il nous faut, déjà, des pièces d'or et des diamants. Puis, de la peau résistante et du mercure. Sachant que le mercure, on en trouve à foison. À partir de là, il ne faut pas utiliser d'autres trucs. Ni offrir de trucs à l'inéa. Non, enfin, de diamants surtout et de pièces d'or. Au fer rouge, carrément. Ça avait pas l'air d'être imprégné au fer rouge sur son dos. Bon. Nous allons dormir un tout petit peu, c'est-à-dire jusqu'à midi. Cette fois, je veux bouffer. Me demande comment il fait Aeron. Il fait que boire des médicaments à longueur de journée et ne fait rien d'autre. Ah ah! J'ai mangé avec Elena. Point de suspension. Sorry about the taste, Aeron. I'm not used to the ingredients yet. I'll keep trying, though. C'est tout? There's still a long way to go, isn't there?
Ah, normalement, oui, on voit qu'il y a deux lits en tout cas. Honnêtement, je croyais qu'on pouvait mettre des peintures sur le mur et tout, mais c'est pas les Sims, j'avais complètement zappé moi. Et c'est une chose qu'a de l'eau à profusion, boum, ça augmente la jauge. Logique. Wow, quelle jolie synchronisation des lèvres. This must be quite an old building. It's showing some signs of wear and tear. It must be at least 50 years old. C'est tout, bon. 50 ans, c'est pas si vieux que ça pour un bâtiment. Bon, allez, 18h. Peut-être que là, c'est bon. Je vais encore bouffer. Tout ce que je fais là maintenant, c'est manger, dormir. Ça me rappelle quelque chose. En fait, non, ça me rappelle moi, tout simplement. Alors, j'ai mangé avec Aliena, point de suspension. Avec la jolie nappe, ça fait pas mal. Oui, effectivement. Purée, j'ai cru qu'il y avait une chauve-souris à côté de moi. Merci d'avoir mangé mon plat ignoble. Ça a été rangement. Mais tu t'en fous de la cave, on n'y vit pas. On a déjà vu ça. On a déjà vu ça il y a à peine 2 minutes. On a déjà vu ça aussi. Bon, on y va. On va dans la tour. Look out for yourself out there. Je le fais à sa place parce que je sais qu'elle va pas le faire. Bon, on va voir quand même les petites plantes. Oui, je lui ai donné des tas de graines florales alors. Ah, d'ailleurs, j'ai complètement oublié, zappé de lui donner des graines florales. Ouh. Vous voyez comment ça a évolué? Normalement, c'est censé évoluer jusqu'ici. Pardon. Là, pas pour compte, pas possible d'aller plus loin. C'est dommage. J'ai cru que là, on pouvait maintenant. Non. On peut pas. On peut pas se suicider non plus. C'est chiant. J'aimerais bien voir vous suicider ensuite et ça donne une mauvaise fin. Non. Et bon. Allez. Tourelle sans faille. C'est une tour ou c'est une tourelle, bordel? Elle devrait pas être si difficile que ça. Et ben c'est, je crois, l'une des tours où j'ai commencé à bien trimer. Je veux dire, j'ai fait au moins 3 ou 4 allers-retours quand la première fois que j'y suis allé. Il doit y avoir 3 ou 4 chaînes. Je me rappelle une fois où j'avais... je crois que j'avais carrément utilisé 3 quarts de la montre uniquement pour retrouver une chaîne. Ah voilà, 3 chaînes. Les autres fois, c'était que 2 chaînes. Donc du coup, on va aller où? J'avais oublié qu'il fallait utiliser le pointeur de la Wiimote. N'est pas évident avec le micro qui est juste devant. Ça peut se bloquer entre les deux. Là du coup, on va être un tout petit peu plus créatif. Hé hé! Mais vu que ce sont des petits ennemis, j'aurais peut-être pas dû utiliser le gros combo. Cette tour, franchement, alors vous allez voir après avec tous les mécanismes qu'il y a dans cette tour, ça me fait limite penser à celle de Castlevania 3, je veux dire le deuxième niveau, voilà, c'était avec la musique Clockwork, et je crois qu'on pourrait carrément remettre cette musique dedans, je veux dire, dans ce jeu-là, il n'y a carrément pas beaucoup de musique. J'ai pu voir la note sur jv.com, on va dire, jeuxvideo.com. Désolé si j'insulte un peu, mais quelquefois ils notent un peu stupidement, je vais dire. Ils ont mis 18 à la bande son alors qu'au final il n'y a pas beaucoup de musique. Ah ah. Je veux dire, il y a à peine plus de musique, je vais dire. Bon, je vais peut-être exagérer encore une fois, mais il y a à peine plus de musique que dans Castlevania 2 Simon's Quest, qui était quand même un jeunesse. Et il y a 6 musiques dans ce jeu. On a pu entendre que la musique de la tour, que vous entendez là, la musique d'un boss, la musique quand vous êtes dans l'observatoire, la musique dans l'observatoire, mais quand elle est en forme de monstre, Elena, mais ça, vous ne l'avez pas encore entendu. Il y a la musique quand vous êtes avec Mavda. Bon, ça fait 5. Bon, il y a peut-être dans les cinématiques aussi où il y a des musiques, bien sûr. Mais sinon, en général, vous écoutez toujours les 5 mêmes thèmes. C'est assez redondant.
Bon. Ouh, des nouveaux... Non, c'est les mêmes ennemis. Je crois que ce sont les mêmes ennemis. À part qu'ils ont une espèce de masse d'armes. Bon. Vous connaissez la routine. Il faut tirer sur la tête, puis ensuite retirer sur la tête encore une fois. Ou alors le taper, tout simplement. Car nos coups visent la tête. Je vais tenter... Effectivement, nos coups visent la tête. Alors qu'il porte très clairement sur le milieu du corps. Là, je vais essayer par exemple sur celui avec une armure. Ah, rien du tout! Rien du tout! Et son aura verte montre qu'il a beaucoup plus, qu'il a plus de vie que l'autre. C'est. Aïe, 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 c'est génial. Violet, l'aura violette, en fait, ça doit être pour tout. Ça doit être un niveau supérieur. Mais bon, aussi, ce jeu n'est pas comme Xenoblade où vous voyez le niveau de tous les monstres. Ici, vous voyez rien. Vous ne voyez que l'aura. Ça sert à rien que je fasse ça. Surtout que là, il risque de me tirer. Vous allez voir. Hop là. Boum. Ah non. Vous voulez pas me faire la claque. Bon, d'accord. Je vais tenter quand même de récupérer ce... La chair de bête là, parce que... Il peut arriver que si le cadavre reste trop longtemps au sol, il disparaisse. Ouh, de la chair fraîche. Enfin, on n'a plus de chair de bête, on a des chairs fraîches. D'habitude, moi, j'avais que des chairs fraîches. Ah, j'ai trouvé la troisième arme. À la base, j'aimais bien cette arme, mais elle manque de... Tiens, d'ailleurs, en parlant de défense. Voilà. Elle manque de défense, en plus elle prend de la place. Je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser pour cette vidéo. Le problème c'est que là j'en ai... Oh, c'est que 30 points de vie. C'est que 30 points de vie, je vais le dire, mais... ouais, c'est quand même un tout petit bout de vie en moins. Vous allez donc voir les attaques avec elle. Le problème c'est qu'elle n'est pas upgradée, donc il n'y a pas le deuxième gros combo. Ah, donc coup puissant. Ouh, sa puissance est terrifiante. Mais en même temps, c'est une arme assez lente. Donc je la conseille pas, je préfère l'épée encore. Puis jusque là, vous êtes habitué à l'épée, vous aviez peut-être upgradé plusieurs fois l'épée, donc ça sert à rien. Peut-être que l'épée est même plus puissante si vous avez pris la peine de l'upgrader jusqu'à ce point. Ici, la foule, elle peut paraître un peu moins puissante. Alors, je vais voir justement les stats. Où est l'épée? Où est l'épée? Voilà, je vais tenter de l'équiper à la place. Voilà, elle a moins 28. Ça fait moins 28 dès que j'équipe l'épée. Et niveau défense, je gagne. Donc, en gros, ce que j'ai fait là, en échangeant l'épée... Et l'amulette par la faux, j'ai enlevé de la défense et des points de vie. Et vu que je me fais souvent toucher, c'est souvent pas une bonne chose. Et non, la défense, c'est pas pour la garde. Il y a un truc exprès pour la garde. C'était l'espèce d'icône avec un homme à côté d'un bouclier. On tient... Oh, mais non, 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 je tiens... Normalement, examiner, je croyais que c'était C... Là encore une fois, je n'ai pas joué à ce jeu depuis longtemps. Ah tiens d'ailleurs, non, je tiens pas à arracher son... Ah non, pas son... je tiens à arracher... Mais bordel. Voilà, son corps, pas sa main. Sinon j'aurais quelque chose d'autre que de la chair. Donc oui, en plus de fail, en plus que du fait que YouTube a fail sur le traitement de ma vidéo, de ma troisième vidéo de Pandora's Tower, donc le fait qu'il n'y ait que le 360p et le 240p, mais je doute que quelqu'un utilise ce 240p, sérieusement. Eh bien, YouTube a réussi à fail, à uploader ma troisième vidéo aussi, 3 ou 4 fois. Je suis sérieux. J'ai envoyé 3 ou 4 fois le fichier, donc ça vaut bien 12 heures d'upload. Plutôt 10, oui. Et donc, eh bien, j'ai dû uploader encore et encore et encore, et donc ça me bouffait ma connexion pour, au final, que ça marche à moitié. Je veux dire, la vidéo, qu'elle soit à la moitié de la résolution.
Oh là là, YouTube, merci. Et encore pire, ma deuxième vidéo, j'ai dit, il n'y avait pas de miniature. Eh ben, dites-vous que j'ai dû réessayer 6 fois l'upload pour celle-là. Sauf que j'ai dû les effacer ensuite, donc peut-être que j'ai fourni une image avec, mais... non, c'était pas une bonne idée. J'avais l'espoir de pouvoir m'accrocher à la porte et puis ensuite me balancer dessus, mais sachant qu'il y avait le sol aussi, ça n'aurait pas marché. En parlant d'avoir marché, ça a marché. Bon, je vais avoir... Bon, pour une fois que je tiens à viser la papate. Oh, sur le... Du coup, je n'ai plus de place. Ah non, mais je vous dis vivement que je récupère les objets. Celui-là a plus d'attaque. Mais on voit pas trop la différence. Du coup, ça l'a pas tué. Peut-être que l'aura bleue de tout à l'heure, elle était vers le bas et ils avaient moins de défense alors. Boum! Oh putain de merde! De toute façon, je vais pas utiliser cet explosif. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du mercure! Purée! J'ai obligé de le remplacer. La poudre. Pourquoi d'ailleurs j'ai pas été à mon coffre? Oh, mais quel idiot! Mais je les trouve tous quoi. Je trouve tous les objets que je veux. Donc du coup là il me reste plus qu'une peau résistante à trouver. Et je pourrais augmenter la capacité du sac jusqu'à, alors c'est soit 50 soit 60. Le pièce de pardon, le pièce de métal, non. L'huile, d'accord. Peau résistante, ça va. Oh zut. Cela fait 2 semaines qu'Athos, Certes et Athéna. Athéna, non, il n'y a aucun rapport avec ce jeu de merde. On est avec Imperia. Blablabla. L'apparition de pièces de métal. Carrément l'apparition. Waouh, elles apparaissent comme par magie. Oh. Bon. Le contre-écran, fabrication d'armes. Et les Vestra. Alors, je crois que ce sont les Vestra qui écrivent tous ces textes. En tout cas, je crois que j'en ai trouvé beaucoup dans la cave, disant que le mercure servant à rien, que c'est un truc qu'on trouve en abondance. Et puis, enfin, ils ont trouvé que le mercure peut servir à l'amélioration d'armes. Ce qui les étonne, vu l'abondance. Bon, le grand os, il nous servira à rien. Je vais équiper le croc de bête. Je vais équiper le gros de bête. Pourquoi? Car il donne 10% d'attaque en plus. Mais 10% de défense en moins. À moins que ce soit... Non, attends. Comment ça peut me donner de la chaîne en plus? Alors que là, c'est écrit très clairement en haut à droite des stats que ça ne peut pas. Enfin, en haut à droite des stats du... En bas à droite. Moi, je sais pas. Je sais pas. Par contre, je peux vous dire, je ne vois absolument pas la différence entre les stats de l'épée et les stats du mec avec l'épée à côté. Je vois absolument pas la différence. Bon, mais chut, je voulais les mettre. Voilà. On peut en mettre plusieurs, alors ça nous servira. Par contre, le fait que j'ai équipé une arme qui m'enlève de la défense et d'avoir équipé une grosse bête qui m'enlève encore de la défense et d'avoir enlevé... L'amulette qui était censée me donner de la vie, eh bien, je vais mourir. Je devrais faire un run, vous savez, où j'ai que un point de vie. Ça me rappelle un peu ces runs aussi de Prince of Persia. Je crois que c'était Extreme, ou un truc, un mode Extreme Prince of Persia avant, où vous êtes censé finir tout le jeu, mais sans perdre une vie, ce qui est super difficile. Veuillez travailler à améliorer. Oui. En tout cas, il y a bien quelqu'un qui a fait ses maîtres. Et ça doit être les Vestra, en tout cas. Je m'en rappelle plus, en fait. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait ma première partie. Maudits ignorants! Ne savent-ils pas tout ce que nous avons sacrifié? Bon sang. Il a l'air vraiment indigné, ça se sent au travers de ces pages.
Attendez, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça se passe à travers. Non, de la chair de bête, non. Ça, elle peut aller pourrir au sol. Bon, alors, les petites bêtes, les petites bébêtes, on s'en fout. On va activer ce truc. Non, j'ai dit, on va activer ce truc. J'ai dit, on va activer ce truc. Non, ça marche pas. D'accord. En fait, ça, c'est censé inverser... Bon, je vais tuer d'abord cette petite bête et puis ensuite je vais expliquer. Parce que... Oh zut! La bête dryade. Non. Alors, cette poutre est censée... Bah, comme vous aviez vu tout à l'heure, il y avait des petites poulies, je crois, qui sortaient de ces murs et puis qui montent, qui vous permettent de... Bah non, elles ont monté tout à l'heure, elles étaient... Elles étaient à l'arrêt, mais il faut activer un système pour qu'elles puissent bouger. Et cet interrupteur permettra de faire changer le sens de leur apparition. Donc normalement, là par exemple, elle pourrait aller vers le haut, et si j'appuie dessus, il pourrait aller vers le bas. Oui, j'explique tout un peu, mais pour ceux qui ne suivent pas, bah, c'est mieux. C'est mieux que j'explique tout. Oh merde, je crois qu'on va retourner dans la première pièce. Oh merde! Tout ça parce que je suis tombé tout à l'heure? Bah, du coup, j'ai fait zéro progression, quoi. Donc, on n'a plus qu'à retourner en haut. À droite, il n'y a rien. À droite, il n'y a rien. Attends, j'ai vérifié, mais non, il n'y a rien. Bon, on a gaspillé un quart de la jauge pour, au final, faire une loupe. Mais non, mais il y en avait déjà là. Mais qu'est-ce que j'avais dans la tête tout à l'heure? Ma mémoire me joue encore des tours. Je deviens vieil homme. Non. À tous les coups, j'aurais cru qu'il y avait quelque chose à droite. Mais encore une fois, je suis déjà passé par ici. Alors comment ça se fait que je me souvienne pas? Donc là, si je vais en bas, c'est foutu. Je recommence. La même chose. Donc, peut-être tout simplement tirer ce levier. C'est peut-être plus simple comme ça. Attends, il y a quelque chose là. Oh, c'est de l'huile. Tu peux rester là où tu... J'adore, il prend possession de l'objet, puis ensuite il le laisse là où il est. Mais... Comme s'il l'avait jamais tiré. Non, je voulais pas faire ça, mais si tu veux. Tout d'abord, on va obtenir... Oh non, là! Mais il n'y a vraiment rien d'intéressant. Je veux de la peau résistante. C'est trop de demander. Je tiens à les foutre sur le mur. Comme ça, à son réveil, Elena croira qu'elle aura tué un ours polaire. Non, quand même pas. Quand même pas. Même si ce qu'elle a foutu à son lit était quand même assez glauque. N'empêche, j'ai dû acheter cette putain de couverture. Et qui c'est qui va devoir réparer les dégâts? C'est Bibi. Non, quand même pas. Et une grande couturière. Sortir la nuit comme ça. What am I playing at? Pull yourself together. Attends, mais il est quelle heure là? J'ai quitté à 18h. Là, il doit être 23h et des poussières. Attends, non, non, ça c'est de l'huile encore. Non, 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 ça servira à rien que j'appuie sur ce levier. J'ai déjà fait tout à l'heure, Quentin, ressaisis-toi! Allez, lago abyssal. Oh, on commence finalement à avoir de ces objets. Fais gaffe, oui, faut faire gaffe à ne pas enlever ces objets. Kratos, ouais. En plus, ça enlève 20% de la défense, alors que ça aille se faire foutre. Les pièces d'or, je ne les avais pas laissées dans le coffre. Non, 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 je les avais pas laissées. Mamma mia. Like again. Voilà. Bombe de déclin, ça servira à rien. Et bombe de déclin non plus. Bombe de déclin 1, numéro 1, non, que chi. Le 2 non plus. Le numéro 2 ne vaut pas le coup. Allez, apparaît. Je suis pressé. Je suis un homme très occupé, vous savez. Je n'ai pas que ça à foutre de vous accrocher. Le derrière. Bon. Ça, c'est fait.
Donc on atteint une nouvelle pièce. Finalement, c'était, il était temps, n'empêche. Bon, le, j'avoue quand même, ça n'a pas pris trop de temps pour revenir dans l'autre endroit, mais quand même. Oh zut. Caille solide. Je prends quand même si j'en ai. Oh, j'aurais dû enlever la roche explosive, c'est moins puissante. Encore une fois, écaille solide. Bon, là, je vais devoir utiliser. Voilà. Au mieux avoir trop de matériaux que trop d'équipements pour nous aider. Je veux dire, pour finir les boss et tout le tutti quanti. Je veux dire, enlever les médicaments, moi, ça me dérange absolument pas. Tout simplement parce que je peux tout simplement revenir et comme ça, j'enlève tout. Enfin, je me repose et je reviens ensuite requinqué avec la pêche, avec grâce à la fabuleuse cuisine d'Elena. Non, c'était pas du tout ironique. Bien sûr, elle va devenir bonne, sa cuisine. Je vous garantis. Je viens de tilter que j'avais acheté cette ceinture de cuir et que je ne l'ai toujours pas donnée à Elena. Oh, purée. Sérieusement, je vais avoir Alzheimer à 25 ans, je vous dis. Léos, non. On nous donne encore des pièces de cuivre, c'est la dèche. Voilà. Dit Léos, encore la dèche. Quand je vous dis qu'on ne gagne pas beaucoup dans les premières tours, et encore là, on est à la cinquième tour, donc en gros, on est à peu près au premier tiers du jeu. Vous avez pu voir qu'on avait fait 4h30 pour arriver jusqu'au début, au début de la vidéo. Mais vous verrez qu'après, ce sera beaucoup plus difficile déjà que les deux tours. Ensuite, les tours du crépuscule et la tour de l'aube, si je me rappelle bien, c'est la 11e et la 12e tour. Elles sont liées entre elles, donc vous devez faire certaines actions dans l'une pour activer d'autres actions. Enfin, voilà, quoi, je me comprends. Il faut faire des choses dans une tour et ensuite vous téléporter dans l'autre. Ici, il n'y a rien de tout ça. Et oh! Bon, c'est pas quand même pas aussi mécanique que Castlevania 3, mais dès que ce sera en route, je vous garantis que ça bougera beaucoup plus. Parce que là, on peut rien faire. Là, par exemple, on ne peut pas accéder à cet endroit. Il y aura un gros pylon qui... Enfin, une espèce de pylon, je dis ça, mais... Une espèce de plateforme qui va arriver, boum, jusqu'ici. Et comme ça nous permettra de sauter dessus. Et là, je regarde dedans. Wouh! Non, ce sera amusant, mais malheureusement, si je perds une vie, là, ce sera pas amusant. Bon, non, l'eau des nymphes, je m'en fous. Je préférerais une nymphe tout court. Donnez-moi une nymphe, bordel. Peut-être qu'avec l'eau des nymphes, ça les attire. Qui sait. Toujours les pièces de merde, les pièces lourdes. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle les pièces lourdes. C'est comme si vous appellieriez les pièces de 50 centimes des pièces lourdes. Honnêtement, non, je crois pas. Alors, ce sont vraiment des pièces d'or massif, ces pièces lourdes. On va pouvoir activer tout ce mécanisme. Normalement. Ah! Ah, cette porte va pouvoir s'ouvrir. Ça ne tourne pas autant que je le pensais. Et là, maintenant que la musique commence à s'activer. Elle était peut-être occupée à animer une autre pièce, on ne sait pas. On va boire un tout petit peu. Là, il commence déjà à avoir un tout petit peu moins d'eau dans la fontaine. Peut-être qu'on est un trou, parce qu'on est un trou sans fond. Je suis pas allé déjà dans cette pièce. La loi des séries, la loi du j'ai déjà vu. Et là derrière, il y a quoi? Ah, zut. Ah, mais non, il n'y a rien du tout. Alors j'ai perdu mon temps pour rien. Il y a une échelle là. Non, mais c'est l'échelle de tout à l'heure. Mais de toute façon, on va pouvoir traverser si tout est en marche. Allez! Non. Il faut activer autre chose. Il faut activer un autre levier. Et je crois que j'avais déjà vu ça. L'eau des nymphes de merde. Je sais pas pourquoi même bouton A commence à... Oh merde, mon bouton A commence à clamser. Ouh, vaut mieux pas. C'est le bouton idéal pour spammer.
Vous voyez cette puissance? Il est déjà mort, le petit haut. Ouh, celui-là est violet, c'est jamais bon signe. Allez, viens là. Vous voyez, déjà, l'autre, il est mort en 3 coups. Lui, avec des coups puissants, il est même pas mort. On va l'attirer comme ça. Ça donne énormément d'expérience. Mais oh! Ouais, oui, des monstres aussi petits, ça peut pas donner des voitures ou je ne sais quoi. Bien sûr, mais à quoi je pensais? Et donc là, maintenant, on pourra remonter très très facilement si on va dans la porte d'en haut de la porte centrale. Enfin, de la salle centrale, désolé. Où il y a le, où il y a l'espèce de dieu, enfin de statue de dieu. Oh. On récupère des choses. C'est marrant quand même, toutes ces choses sont cachées dans des espèces de pierres. Et a priori, on ne peut pas les ouvrir à moins de les casser. Attends, c'était quoi cet objet? J'avais complètement... Oh, c'est une pièce de métal, on va pas s'en occuper puisqu'on en a déjà à foison. Mais il y a une deuxième. Mais ce sont 2 pièces de métal. On devrait quand même en profiter, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de pièces de métal ensuite dans le jeu. Mais ça implique quand même d'enlever des objets dans notre inventaire. Ça, c'est chiant. Je crois qu'on va retourner bientôt dans la maison, tout simplement parce que là, ça risque d'être chaud ensuite. On va pas faire beaucoup de progression, du coup. Je veux dire, pour la prochaine chaîne. Je crois qu'elle est en haut. Elle doit être en haut. Là, ce sera chaud d'arriver jusque... Ah oui, faut tirer la chaîne. Ah bah oui, mais là, c'est pas pratique. Là. Non. Ça. Là, c'est déjà mieux. Bon, là, il devrait se retirer. Bingo. Ah oui, 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 on peut passer là. Donc, on peut changer le sens. Ça a changé de sens où, au fait? Ah non, ça a changé ici, d'accord. Ça n'a pas changé de sens du tout. On va enlever cette espèce de chewing-gum géant, là. Il a vachement vieilli, ce chewing-gum. Il devient tout frileux, là. Hé, voilà. Donc, pas question de prendre celui-là. Ça nous fera revenir au début. Et... Bon, il est minuit. Les enfants, il est temps de rentrer. L'heure de la teuf, elle est passée. Ah, voilà. On est arrivé à la 2e chaîne, déjà. Bah, purée. D'habitude, ça n'arrive jamais aussi... ça ne m'arrive jamais aussi rapidement. Bon, d'un côté, j'ai fini cette tour d'abord une fois, mais... Ça fait depuis tellement longtemps. J'étais jeune et je ne savais pas ce que je faisais. Roche détonante. Non, non, merci. Ça, par contre, je sais que je vais pas le ramasser. C'est moi aussi ou il est beaucoup plus lent quand il a la faux? C'est ce que je me demandais aussi les autres fois. Non, là, je le garde. Je vais finir par les manger un jour, je ne vous inquiétez pas. Par contre, les élixirs, je vais les enlever. Oui, je vous l'avais dit quand même, je vais pas trop utiliser des objets qui restaurent de la vie. Bon, cette fois-ci... Non, c'est la roche détonante. On va rentrer à la... Ouf, cette chute, par contre, elle était rude. On va rentrer à la maison. Ah! Ah, ça m'apprendra à jouer au super-héros! Ah! Ouf, je suis pas mort. Allez, vite, 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 vite.